Oui, merci beaucoup. Oui, donc hier on a fourni le grand méthodos de base pour expliquer cette approche à la construction de l'égalité de distribution à méthodos. Donc on a dit que en fait la l'idée centrale en fait pour obtenir l'égalité de distribution à partir du fond c'est celle de, disons, de régner deux structures qui se correspondent à travers la dualité, à travers un topos commun qui peut être construit à partir des deux structures indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que on a construit un premier topos des faisceaux sur la structure C avec par rapport à une topologie de topologie J sur C. Et on essaie de faire la même chose pour l'autre structure. Et si on a la chance de trouver un topos commun, alors on peut essayer d'étudier les relations entre les deux structures et en particulier construire une dualité si on a de telles constructions valables, pas seulement pour une paire spécifique CD, mais pour beaucoup de telles paires, on peut essayer de construire une dualité ou une équivalence, et c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, j'avais déjà remarqué hier qu'une source particulièrement importante et naturelle d'équivalence entre différentes représentations d'un topos est fournie par le lemme de comparaison de Brodnik, qui dit la chose suivante. Si on va d'un site d'état, et si on arrive à identifier à l'intérieur de C une classe d'objets, donc une sous-catégorie pleine C, qui est une sorte de base pour D relativement au recouvrement spécifié par K, c'est-à-dire qui est K dense. Alors, ce qu'on peut faire, c'est d'induire la topologie K sur la sous-catégorie C en obtenant donc une topologie de Grothendieck induite, comme ça, et qui est définie de la façon évidente, c'est-à-dire qu'on dit qu'un crible sur un objet C équivaudra relativement à cette topologie si le crible engendré par ce crible-là à l'intérieur de la catégorie D est couvrant relativement à la topologie K. Donc on a cette notion de topologie induite et de lemme de comparaison de Grothendieck qui dit que le topos des faisceaux sur la catégorie grosse est équivalent au topos des faisceaux sur la base, disons, c'est-à-dire sur C avec la topologie induite. Donc j'ai utilisé le terme base parce que ça suggère l'intuition même dans le cas catégorique général et parce que en particulier ça s'applique aux bases des espaces topologiques parce que si on prend X, espace topologique donc, on aura la catégorie des sous-verts comme on a défini hier. Et imaginez d'avoir une base de X. Donc, ça sera un sous-ensemble préordonné de O de X. Et donc, je peux la considérer bien sûr comme une catégorie. Et ici, on avait remarqué qu'on pouvait mettre une topologie de Grothendieck qui est della topologie canonique. Je rappelle que les cribles courants de cette topologie canonique sont donnés par les familles qui couvrent dans le sens topologique standard. Hein, c'est-à-dire, U, je vais donner ça à la réunion de. Ça appartient à la topologie.
Sì, e se no sì. Ora sì. E dunque vous vous rendez compte che une base pour l'espace X è précisément une sous-catégorie dense relativement à cette topologie canonique. Parce que, en fait, densité, ça veut dire que je peux disons, recouvrir chaque objet de la catégorie grosse, donc dans notre cas, chaque ouvert, par des ouverts qui proviennent de la base. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à travers l'aide de comparaison de notre indique? Ben, on peut conclure qu'on a une équivalence entre le poste des faisceaux classique sur l'espace topologique X et le topos des faisceaux sur la base avec la topologie finite. Donc, la chose intéressante qui se produit dans certains cas, c'est que cette topologie est définie comme une topologie induite et donc il y a une description pas intrinsèque. Admet en revanche une description complètement intrinsèque en termes de la structure catégorique présente sur l'entité. C'est par exemple le cas de la dualité de Stone classique. Imaginez que X soit un espace de Stone, et donc un espace de Stone, je vous rappelle que c'est un espace totalement disconnexe, compact et Hausdorff. Donc en particulier, il a une base B de Clopen, c'est-à-dire on comprend B comme la collection des sous-ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés. Et alors qu'est-ce qui se passe quand j'enduis la topologie canonique sur B? Eh bien, c'est, vous vous rendez immédiatement compte que cette topologie-là commence à avoir une expression beaucoup plus agréable que celle-ci, c'est-à-dire on peut la définir entièrement en termes de la structure catégorique sur B, parce que c'est la topologie qu'on appelle cohérente, c'est-à-dire c'est la topologie qui, dont les crigles courants sont ceux qui contiennent des familles finies dont la réunion est l'ouvert donné. Ça, c'est disons, c'est dû à la compacité de l'espace et au fait que les éléments de B sont les Clopen. Hein, parce que imaginez d'avoir U Clopen et d'avoir un équivalent comme ça, vous pouvez compléter ça pour obtenir un équivalent de X. Et après, vous utilisez la compacité de X pour en fait, montrer que ici, vous pouvez prendre un sous-ensemble fini de I et ça va donner le même résultat. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça vous dit que, essentiellement, vous pouvez définir cette topologie de Goffredding sans référence à l'espace X. Vous pouvez le faire entièrement en termes de B. Pourquoi? Parce que B, analysons la structure catégorique de B. Bah, B, c'est bien sûr ici l'ordre est donné par l'inclusion, et relativement à l'inclusion, là j'ai un treillis distributif. Et donc, et le treillis distributif, c'est ce qui me suffit pour définir cette topologie qui va être la topologie cohérente, on l'appelle comme ça, dont la topologie qui est engendrée par des familles de ce type, donc vous voyez, donc ici les flèches, imaginez d'être dans un treillis distributif quelconque B, là vous pouvez définir une topologie de Grothendieck en postulant que les crigles couvrants soient les crigles qui contiennent des familles finies de flèches, donc bien sûr ici les flèches sont données par des inégalités, hein, telles que B égale B1 joint B. Et vous voyez que l'intérêt de tout ça, c'est effectivement que, vous voyez, on est passé d'une description non intrinsèque de la topologie à une description intrinsèque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça veut dire que j'ai, disons, une manière de reconstruire l'espace X à partir de B en
disons, au moins, disons, j'ai manière de construire le topos associé à X, mais ça va être la même chose, parce que X est un espace sobre, donc il est déterminé par le topos correspondant. Donc j'ai manière de reconstruire X à partir de B, de cette façon-là. Donc j'ai pris un peu de temps sur cet exemple de base, parce qu'en fait, ce qui va se passer dans le cas général est complètement anormal. Ce qui va changer, c'est la forme de ces topologies, le type d'ensemble préordonné, mais la philosophie est toujours la même. Faire rencontrer deux structures par le biais d'un topos commun. Et donc, c'est un point très important, c'est que ces topologies de grand N qu'on va mettre sur les structures soient intrinsèquement définies en termes de la structure, parce que nous, on ne veut pas se retrouver avec une dualité pour des sites, mais on veut trouver une dualité pour des structures. Donc la topologie de Grothendieck, je dois pouvoir la reconstruire à partir de la structure, autrement je ne peux pas l'oublier. En tout cas, ça c'est disons, le schéma central. Et en tout cas, ce que je trouve quand même assez intéressant en général, c'est le fait que on arrive à établir disons, une relation structurelle entre un espace topologique et une base pour cet espace, une relation qui n'est pas concrète, qui est abstraite. Parce que vous voyez, concrètement, on peut dire, d'accord, on sait quelle est la relation entre un espace topologique et une base. Disons, si je me mets à l'intérieur de P de X, je sais que O de X est engendré par D. Mais ça, c'est une manière concrète de comprendre la relation entre X et une base. Celle-ci, cette équivalence-là, en revanche, est une manière abstraite de comprendre. C'est-à-dire que je ne fais pas référence à P de X, j'arrive à comprendre la relation entre X et B par des façons, on pourrait dire, point-free. Des façons très abstraites, parce que j'arrive à, disons, à identifier, en fait, O de X. On le verra après quand on définira les idéaux, mais on arrive à identifier O de X comme le tri des idéaux sur B relativement à cette topologie. Et donc, si vous comparez cette manière de relier une base à l'espace et cette autre, vous voyez que ça c'est disons, concret. Donc, c'est pas modulaire, si vous voulez, alors que ça, c'est abstrait, donc c'est modulaire, c'est invariant, etc. Ça a des propriétés bien modulaires. Ok, donc ça, c'était juste pour commencer avec un exemple concret et pour fixer les idées, parce qu'en fait, vous pouvez penser que tous les autres types de dualités vont être obtenus d'une façon analogue. Ça va être plus compliqué hein, dans beaucoup d'autres cas, mais en tout cas, le schéma de base, c'est ça. Ok. Donc, ce qu'on disait, c'est que, en fait, pour fabriquer ces dualités, qu'est-ce qu'on fait on part d'une collection d'équivalences entre qui, dans notre cas, seront induites par le lien de comparaison de Grothendieck, et ce sera des équivalences entre les topos des faisceaux sur des sites où, vous voyez ici, je souligne le fait que ces topologies G, C et KB sont intrinsèquement définis en termes de la structure catégorique présente sur les catégories C et D. Hein? De cette façon, pour construire le topos correspondant, j'ai juste besoin de donner la structure et la topologie de Grothendieck sera définie à partir de ça. Et en fait, ce qu'on fera pour construire les dualités, ça sera de considérer les morphismes géométriques entre tous ces topos et essayer de comprendre comment ces morphismes géométriques seront induits d'un côté et de l'autre. Et donc, en particulier, on va étudier quels morphismes il faut prendre d'un côté et de l'autre pour induire ces morphismes géométriques et comme ça, en fait, on arrivera à construire les dualités. Alors, bien sûr, ici, il y a un point central qu'il faudra examiner, c'est la manière, pas seulement d'associer un topos à une structure, mais de retrouver la structure à partir du topos. Parce que nous, on veut que les topos à la fin disparaissent. On ne veut pas se retrouver avec une dualité avec des topos parce que ça ne sert à rien. Nous, on est intéressé à entrer dans un pont, mais aussi de sortir
d'importe. Okay? Donc jusqu'à présent, j'ai expliqué en quelque sorte comment entrer dans le monde des topos, mais il y a une étape tout aussi importante qui est l'étape de sortie du pont. Donc il faudra examiner comment il est possible de retrouver la structure à partir du topos correspondant. Par exemple, ici, on se demande, ok, on a vu que on a une manière de construire X à partir de B, dans le cas de la dualité de Stone. Mais bien sûr, la dualité de Stone nous dit qu'on peut reconstruire B à partir de l'espace de Stone correspondant. Et donc, ça veut dire en particulier qu'on a moyen de retrouver B comme site de définition de ce topos à partir du topos lui-même. Et la manière avec laquelle ça s'est fait, c'est d'utiliser des conditions de compacité. Donc en fait, généralisé, hein, dans le cas de Stone classique, en fait, c'est la notion de compacité standard qui nous permet de retrouver B. Et dans les cas généraux, ça sera des variantes de la notion de compacité, des variantes qui dépendront de la forme des topologies de protéiniques qu'on considérera. En tout cas, le point central, c'est qu'on utilisera quand même des invariants des topos. C'est très important que ce soit des invariants parce que ça doit être des choses que je peux lire indifféremment en termes d'une représentation du topos et aussi en termes de l'autre. Hein. Donc je veux que ce soit des propriétés qui se transfèrent à travers l'équivalence du topos. Ok, donc là, c'est ce que je voulais dire au niveau de la théorie générale. Donc maintenant, on va plus dans les détails et donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire mettre une topologie de protéinique sur une catégorie de randonnée, parce que nous, on va s'extendre au contexte des pré-ordres, qui est celui des dualités de type de Stone. Donc hier, je vous ai rappelé la définition générale de topologie de protéinique. Et je vous ai dit que, en fait, la condition clé, c'est la stabilité par courbette des cribles courants, parce que l'action de transitivité, en fait, peut toujours être obtenue au prix d'engendrer, disons, une topologie de Grothendieck à partir d'une notion de recouvrement qui ne satisfait pas la transitivité. Et en fait, quand on va considérer les faisceaux, en fait, on peut se limiter à la collection qui engendre la topologie de Grothendieck, et c'est pour ça que ici j'ai donné cette définition simplifiée. Donc en fait, donner une topologie de Grothendieck sur une catégorie préordonnée, ça revient à donner une fonction qui associe à chaque élément du préordre une famille de l'over set, c'est-à-dire les cribles, vous vous rappelez que ce sont des ensembles de flèches, toutes vers un objet donné. Dans le cas d'un préordre, les flèches sont des inégalités. Hein. Donc, ça va être, chaque cribble va être un lower set. Donc, ça sera un sous-ensemble comme ça, hein, où ça, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont minor ou égal à C. Voilà, la topologie de Grothendieck, c'est une fonction qui associe à chaque élément du préordre une famille de tels sous-ensembles qui sont appelés les J recouvrements sur l'élément, et tel que cette propriété de compatibilité par rapport au courbette est satisfaite. Donc on va appeler un site préordonné, juste un site dont la catégorie sous-jacente est un préordre. Et alors hier, je vous ai donné la notion de topologie sous-canonique. Et donc, je vous rappelle que une topologie sous-canonique, c'est une topologie telle que la catégorie se plonge dans le topos correspondant. Et dans le cas des préordres, il y a une caractérisation très simple des topologies sous-canoniques, qui est celle que vous voyez.
donc on avait dit qu'une topologie sous-canonique était une topologie telle que quand on considérait le plongement de Diomède suivi par le foncteur de précipitation, on obtenait un foncteur plan et fidèle. Et bon, c'est la même chose que dire que tout représentable est un faisceau. Donc, dans le cas préordonné, qui, bon, les représentables sont un représentable, c'est toujours un sous-objet de l'objet terminal du topos. L'objet terminal de n'importe quel topos, c'est le faisceau qui associe à chaque objet le singleton. Et donc, vous voyez que c'est effectivement un objet sous-terminal, je veux dire un objet tel que l'unique flèche vers l'objet terminal du topos est un monomorphisme. Le monomorphisme, ça veut dire que tous les composantes sont des monomorphismes, c'est-à-dire... Le sous-objet vide, il n'est pas représentable. Le sous-objet vide. Le sous-objet vide... Les chiffres en 11, par exemple, j'ai qu'un seul représentable, mais j'ai deux... Objet, non. Si je... Bah, ça dépend du préordre. Oui, il n'est jamais représentable. Ça dépend du préordre. Il y a bien que le représentable fait le sous-objet de 1. Ça dépend si... Ben non, en fait, vide, non, parce qu'il y a toujours l'identité. Donc, je veux dire, si je prends... Oui, mais il y a un représentable par objet de C. Oui, oui, bien sûr. Donc là, ça serait deux représentables pour une catégorie qu'un seul objet. Donc, les représentables sont des sous-objets, pas tous les sous-objets. Ah, pas tous les sous-objets. Ah oui, non. C'est ça que tu as dit. Excusez-moi, j'ai dit que chaque. Oui, d'accord. Non, en fait, on étudiera après les sous-terminants et effectivement, la complexité de la question sera donnée par le fait qu'ils ne sont pas tous de cette forme-là. En fait, ça reviendra à dire que les J idéaux ne sont pas tous principaux, en général. Donc, il y aura une relation très intéressante entre les J idéaux généraux et les J idéaux principaux, qui seront ceux qui correspondent aux représentables. En tout cas, voilà, disons, chaque représentable, quand même, donne un sous-terminal. Un objet sous-terminal du topos. Et en fait, voilà, il est facile, en remarquant ça, qu'il est facile de voir que une topologie est sous-canonique si et seulement si, en fait, tous les cribles courants donnent des sucres. Hein? C'est-à-dire que chaque. Quand vous avez. Courant, on a. C égale le sucre. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut dire que si C de I est mineur ou égal à A pour chaque I, alors C est mineur ou égal à A. Vous voyez, c'est ça que ça signifie. Donc vous voyez que, en fait, dire que ce fondeur représentable est un faisceau, ça revient à dire qu'il est J fermé, et J fermé, ça veut dire précisément ça, hein? Que si tous les C de I appartiennent au sous-objet, alors C appartient aussi. Donc vous voyez que ça donne ça. Ok, donc, dans notre cas, vous verrez que en fait, les topologies sous-canoniques, comme j'avais dit hier, sont importantes parce qu'elles permettent de plonger la structure dans le topos correspondant. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire qu'on n'a aucune espérance d'obtenir une dualité, parce que ça veut dire que je perds l'information en passant de la structure au topos correspondant. Et ça, bien évidemment, je ne veux pas le faire. Donc, c'est une condition vraiment nécessaire que j'ai besoin de mettre. Ok. Est-ce qu'il y a une méthode facile de caractériser les topologies canoniques? Donc, quand est-ce qu'une topologie sous-canonique est en fait canonique? Oui,
y a moyen de comprendre. Oui, on peut décrire explicitement la topologie canonique sur n'importe quelle catégorie, avec ce qu'on appelle les cribles effectifs épimorphes. Et après, on dit qu'une topologie est sous-canonique si elle est contenue dans la topologie canonique. Donc ça veut dire que, oui, on a une description complètement, en général. Hein. Ici, c'est encore plus simple parce que dans le contexte voilà, préordonné, les limites, c'est juste les sup et les inf, donc ça se simplifie. Mais même dans le contexte général, oui, il y a une formule explicite. Oui, compliquée. Ok. Donc, considérons des exemples des topologies de Grothendieck sur les préordres. Alors, imaginez d'avoir un préordre sans aucune structure particulière, bah, vous pouvez toujours mettre la topologie de Grothendieck triviale, hein, ça vous pouvez le faire sur n'importe quelle catégorie. Les seuls cribles couverts sont les cribles maximaux. Voilà. Après, donc on a déjà rencontré cette topologie en discutant le cas de la dualité de Stone. Donc si vous avez un tree distributif, vous pouvez mettre la topologie cohérente sur ce tree, qui est celle dont les recouvrements sont précisément ceux qui contiennent des familles finies dont le joint, le sup et l'élément donné. Ça, on l'a vu dans le contexte de Stone. Pourquoi c'est une topologie de Grothendieck bien définie? Car le tree est distributif. C'est important la notion de distributivité parce que la pullback stability condition nous demande que le pullback de chaque cribble couvrant soit un corps couvrant, donc ça veut dire que si j'ai donc, ce que je veux, c'est que si j'ai un élément B de mon treillis distributif et je le recouvre par une famille finie, comme ça, donc les flèches, je vous rappelle, sont toujours des inégalités, hein, donc j'ai une situation comme ça, où B est égal à, au sup, comme ça, et N. Et alors, je veux que si je tire en arrière ça, j'ai encore un recouvrement qui est donné par la même forme, c'est-à-dire qui contiendra une famille finie, donc le joint et l'élément donné. Et ici, ça marche parce que là, je peux prendre comme élément les infes de ces éléments-là avec A. Donc, et pourquoi je peux faire ça? Bah, parce que mon trait est distributif, c'est-à-dire que cette égalité-là m'implique cette égalité. Donc vous voyez que la condition de distributivité est essentielle pour avoir une description très concrète des cribles courants sur tout objet de mon trait. Si le trait n'était pas distributif, on pourrait toujours hein, considérer la topologie canonique sur ce trait, mais on n'aurait pas une description aussi simple des cribles courants. Et en fait, avoir une description aussi simple des cribles courants, ça va être essentiel pour ce qu'on va faire, parce qu'on aura besoin de, en quelque sorte, de caractériser intrinsèquement les topologies de Grothendieck qu'on met sur nos structures préordonnées pour pouvoir capturer les structures à partir des topos correspondants à travers des invariants des topos. Donc, c'est important d'avoir une description, disons, assez naturelle de la topologie de Grothendieck. Ok, donc maintenant on va discuter le troisième cas. Donc, la notion de repère, c'est juste la version infinitaire de la notion de treillis distributif, hein, et donc je peux définir une topologie de façon complètement analogue où, au lieu de considérer les familles finies, donc le joint et l'élément donné, je m'autorise à considérer les familles de taille arbitraire. Hein, avec ces... Could you remind for us the definition of frame? Oui, donc le frame, ça serait repère, si je ne me trompe pas,
français. Alors, c'est juste un ensemble partiellement ordonné avec les amphétamines et les joints, les subarbitraires, avec la condition que les subarbitraires distribuent relativement aux joints finis. C'est-à-dire qu'on a cette loi de distributivité. Voilà. Qui est juste l'analogue de la loi qu'on a remarquée pour les pays. Okay. So if we have a topological space, the open set. Ah oui, 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 effectivement, ça c'est l'exemple canonique de, En fait, il est important de remarquer que pas tous les repères sont de cette forme, hein, mais quand on a un espace topologique, effectivement, le treillis de ces ouverts est toujours un repère. Et donc, la topologie qu'on met, qui est définie en prenant les joints arbitraires, on peut vérifier que c'est effectivement la topologie canonique sur cette catégorie. Hein. Donc c'est la topologie la plus large telle que tout représentable est ici. Ok, maintenant on va considérer des structures un peu plus bizarres, si vous voulez, qui peuvent être utiles dans certains contextes. Donc par exemple, vous pouvez considérer ce que j'ai appelé disjunctive et distributive lattice, c'est-à-dire un treillis où vous avez tous les amphes finis, mais vous avez seulement des joints de famille d'éléments qui sont à deux disjoints. Hein? C'est quelque chose qui peut arriver hein, d'avoir une situation comme ça. Alors, et on demande que ces joints de famille d'éléments à deux disjoints distribuent par rapport aux amphes finis. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre une autre topologie de Grothendieck. Vous voyez, vous ne pouvez pas mettre celle que. Qu'on a mis sur un treillis distributif, vous n'avez pas tous les joints, mais vous pouvez sélectionner les joints qui existent et qui sont distributifs, c'est-à-dire on prend les joints qui sont donnés par des familles d'éléments à deux disjoints. Et voilà, et donc comme ça on définit une topologie de Grothendieck voilà, bien définie. Après, vous avez une variante de la notion de repère, relativement cardinal K, hein, où vous avez seulement les joints de famille avec moins de K éléments, et vous avez toujours la loi de distributivité, et donc vous pouvez définir une topologie de Grothendieck qui est définie comme topologie K courante. Autre exemple, si vous prenez un pré-repère hein, qui est défini comme un ensemble partiellement ordonné avec les amphes finis et avec les joints seulement pour des familles directes, c'est quelque chose de très utile dans beaucoup de contextes. Ces joints des familles directes distribuent par rapport aux amphes finis, alors dans ce cas-là, il est très naturel de mettre comme topologie de Grothendieck la topologie dont les cribles courants sont ceux qui contiennent des familles directes d'éléments dont le joint est l'élément donné. Donc vous voyez que ici, ce sont des exemples vraiment très très naturels, donc rien de surprenant. Ok, donc maintenant on va entrer plus dans le détail et on va considérer cette notion centrale de J idéal qui est vraiment motivé par la théorie des topos parce que on définit un J idéal étant donné un cycle préordonné comme un sous-ensemble qui est un lower set et qui satisfait cette opération de cette propriété de clôture qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les fois que vous avez un J recouvrement et que tous les domaines des flèches dans ce J recouvrement appartiennent à l'idéal, alors l'objet sur lequel le recouvrement est pris appartient lui-même à l'idéal. Hein. Voilà, donc on peut les mettre tous ensemble, ces J idéaux, et ce qu'on obtient, c'est un repère. On a un repère et abstraitement, on voit tout de suite pourquoi c'est un repère, parce que il peut être identifié avec le repère
d'objets sous-terminants dans certains topos. En fait, on peut démontrer que toutes les fois qu'on a un site préordonné, le topos correspondant en fait est localique et donc il est engendré par ces objets sous-terminants. Et les objets sous-terminants sont exactement les J-idéaux. Donc on a cette équivalence et en fait général qu'on a, c'est que c'est, si E est un topos de Gauss-Lucas, alors pour chaque objet E du topos, le pays de ces sous-objets est un repère. Ça, c'est en fait général. Donc, si vous appliquez ça dans le cas d'un site préordonné, vous identifiez les sous-terminants. Donc là, on a E égale à l'objet terminal du topos. Et donc, vous voyez abstraitement que la collection de ces J-idéaux forme un repère. Donc concrètement, comment ça marche? La structure de ce repère, la relation ici, c'est juste donnée par l'inclusion. Bon, l'intersection des deux J idéaux est naturellement un J idéaux idéal, donc ça, c'est très naturel. En revanche, si vous calculez les suites, ce que vous devez faire, c'est de prendre la réunion des idéaux et après vous devez clôturer par rapport à la topologie du groupe. Donc, en fait, en général, ce que vous pouvez faire dans un topos, si vous avez un sous-préfaisseau dans le faisceau, vous avez une opération de clôture relativement à la topologie de Grothendieck. Alors là, vous supposez que vous êtes dans. Et imaginez que ça soit un faisceau, alors il est naturel de considérer ça, parce qu'en fait, dans ce cas-là, ça coïncide avec la faisceautisation de A'. Et ça, c'est donné par cette formule. Donc, vous prenez tous les éléments de A, tels que la famille des flèches. Qui envoie par A l'élément X dans quelque chose qui est dans A' et courant. Voilà, je vais prendre ça. Ok, donc si vous appliquez ça aux idéaux, bon, si vous avez un idéal I, idéal. Donc par idéal, je veux dire juste un lower set, hein, c'est-à-dire un sous-ensemble qui satisfait la première condition et pas la deuxième. Donc idéal, je sais. Alors, sa clôture, ça va être l'ensemble des tels que donc vous clôturez par rapport au recouvrement J. Voilà, donc c'est clair à la fois abstraitement et concrètement qu'on a effectivement un repère. Donc dans le cas d'une topologie sous-canonique, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a que on avait remarqué que si la topologie est sous-canonique, alors la catégorie se plonge dans le topos. Et donc on peut lire ça au niveau des sous-terminants, parce qu'en fait tout va avoir lieu au niveau des sous-terminants, parce qu'on avait remarqué que chaque représentable est en fait un sous-terminal dans le contexte préordonné. Okay? Donc dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est que ce plongement-là va être juste le plongement de C
dans les jeux vidéo. Et ce prolongement associe à chaque C le nombre 7 correspondant, l'idéal principal correspondant. Et cet idéal principal est effectivement un J idéal calme de colorité sous canon. Et donc, voilà, ça veut dire que je peux plonger ma structure préordonnée dans le repère des J idéaux. Ok. Ça, c'est une première chose. Bon, après, on voudra, disons, caractériser à l'intérieur de ce repère d'une façon invariante. Hein, et ça, on va s'en occuper plus tard pour trouver une valeur. Alors, maintenant, on va juste discuter brièvement ce qu'on doit faire au niveau de la fonctionnalisation, parce que ici, je me suis occupé de ce qui se passe pour une structure donnée, mais pour avoir des dualités, je dois considérer qu'est-ce qui se passe quand j'échange la structure tout en restant dans une même classe. Donc, par exemple, au lieu de considérer un seul tri distributif, je fais varier les tri distributifs à travers des morphismes appropriés et je regarde un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des topos correspondants. Donc, hier, on a remarqué qu'en général, il y a plusieurs manières d'induire des morphismes géométriques entre topos, à la fois de façon covariante et contravariante. Donc, de façon contravariante, on doit utiliser ce qu'on appelle les morphismes des sites, qui ont une description particulièrement simple dans le cas des catégories cartésiennes, qui, dans le cas préordonné, sont précisément les amphes semitreïs. Donc, dans le cas des deux amph semitreï, un morphisme de site, c'est juste un homomorphisme des amph semitreï qui envoie des recouvrements d'un côté dans des recouvrements de l'autre. Et alors, qu'est-ce que la théorie générale nous dit? Bah, elle nous dit que chaque morphisme de site donne lieu à un homomorphisme des repères quand je passe au repère vidéo. Et donc, on peut représenter la situation comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça, un morphisme de site. On sait qu'il va induire un morphisme de topos, un morphisme géométrique de topos, donc de façon contravariante. Je vous rappelle, hier, on avait distingué les deux cas. Après, on va considérer aussi la deuxième manière de fonctionnaliser, qui est celle covariante. Bon, ça veut dire qu'on a ça. Voilà, donc si ici, comment est-ce qu'il y a? Voilà, F. Donc là, ça va être ça. Et on a remarqué dans le transparent précédent qu'on a ces équivalences-là. Donc, là aussi. Et vous voyez que la notion de morphisme géométrique est un invariant, et donc ça veut dire que ici aussi j'ai un morphisme géométrique. Et hier on avait remarqué que tout morphisme géométrique entre topos localiques était induit par un unique morphisme entre les locales, hein? Donc par un unique morphisme de repère. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que ici, je peux sortir du pont et trouver un morphisme de repère de l'autre côté. Et c'est ce que j'appelle F. Donc, vous voyez
voyez que on est rentré d'un fond, mais on a aussi sorti. Et donc à la fin, je me retrouve avec une correspondance complètement concrète, c'est-à-dire j'ai un morphisme de site en lui, un homomorphisme directeur, et je peux aussi décrire explicitement ce morphisme directeur parce que c'est celui qui envoie un J idéal dans le cas idéal engendré par son image, par le morphisme. Donc vous voyez que même concrètement, ça a une description. Et hier, on avait aussi disons, donné un résultat général sur le morphisme géométrique en caractérisant les morphismes qui étaient induits par un morphisme de site, parce que j'avais aussi remarqué qu'en général, il y a beaucoup plus de morphismes géométriques que ceux qui sont induits par un morphisme de site. Hein. Et c'est pour ça que si on veut faire les choses complètement en général, il faudrait considérer les profondeurs au lieu des morphismes de site. Hein. Mais si on se limite aux morphismes de site, alors ce qu'il faut faire, c'est de caractériser les morphismes géométriques qui sont induits par cela. Mais c'est facile de le faire et ce que ça donne dans le cas préordonné, c'est ce que vous lisez ici. C'est-à-dire, vous pouvez reconnaître les homomorphismes des repères qui proviennent d'un morphisme de site. Ce sont précisément ceux qui envoient des idéaux principaux dans des idéaux principaux. Et ça, c'est parce que, comme je vous avais expliqué hier, on pouvait retrouver le morphisme de site de départ à partir du morphisme géométrique correspondant, si les topologies étaient superamiques, en prenant la restriction au représentable de l'image inverse du morphisme géométrique. Et donc ici, faire ça, ça revient juste à prendre la restriction de l'homomorphisme de repère aux idéaux principaux, hein, parce que les idéaux principaux sont ceux qui correspondent aux frontières représentables. Parfait. Et donc, on a cette situation. Considérons maintenant la deuxième manière de factorialiser. C'est la manière covariante qui est fondée sur les catégories des préfessons. Donc, dans le cas des préfessons, je vais montrer un fond semblable à celui-ci. Donc, vous avez, vous partez de, voilà, d'une application d'un foncteur, hein, donc dans le contexte préordonné, c'est juste une application monotone, hein, entre les deux préordres. Et après, ce que je fais, c'est de considérer les composants de précession correspondants. Hier, je vous ai dit que ça donne toujours un morphisme géométrique. Alors, hier, j'avais considéré des précessions covariantes, mais c'est pareil, hein, donc, parce que chaque catégorie va avoir son bien. Hein. Donc, c'est ça, et maintenant, j'ai ces équivalences-là. Je transfère ce morphisme géométrique et je sors du pont, hein, toujours en utilisant la correspondance entre homomorphisme des repères et morphisme géométrique entre les composants correspondants. Et donc là, je me retrouve avec et ça. C'est ce que le F, voilà, donc là aussi, on a notre pont. Et concrètement, comment ça marche? Alors, vous voyez, ici j'ai écrit IDO, hein, parce que je n'ai pas de topologie de Grothendieck, hein, donc ce sont juste des nombres de 7. Et là, la description est différente, hein, parce qu'il faut se rappeler comment ce morphisme-là était défini, hein, avec les extensions de Kahn à gauche, à droite, on l'a vu hier.
Et en tout cas, c'est facile de voir que ce qu'on obtient, c'est précisément ça. Donc, l'application entre les regards vidéo envoie chaque idéal dans son image inverse par l'application monotone F. Et bien évidemment, ça, c'est un homomorphisme de repère, on le voit tout de suite. Et on avait aussi vu que les morphismes de cette forme sont des morphismes géométriques, pas quelconques, mais qui satisfont des propriétés remarquables, disons, sont les morphismes géométriques essentiels. C'est-à-dire, ce sont les morphismes géométriques tels que l'image inverse admet un adjoint à gauche. Et dans le contexte préordonné, on peut caractériser en fait les morphismes géométriques induits par un homomorphisme de Réter qui sont essentiels comme ceux tels que cet homomorphisme de Réter préserve tous les infs arbitraires. Hein? Donc, et ça, c'est pas donné, hein, parce qu'en général, un homomorphisme de Réter se définit comme une application qui préserve les infs finis et les joints arbitraires. Mais pas forcément les infs arbitraires. Donc en fait, quand il y a préservation des infs arbitraires, ça revient à dire par le fondeur de, par le théorème du fondeur adjoint que ce fondeur-là a un adjoint à gauche qui peut être décrit explicitement par cette formule. Hein. Ça, c'est juste la théorie générale des connexions de Galois. Ok, et on avait remarqué aussi qu'on pouvait retrouver l'application dont on était parti, le fondeur dont on était parti, comme la restriction de cet adjoint à gauche au représentable si les catégories étaient Cauchy complètes. Or, dans le contexte préordonné, la Cauchy complétude est automatiquement satisfaite, et donc j'arrive à retrouver F à partir de B de F. Juste comme la restriction aux idéaux principaux. Mm? Comme la restriction, pas de BDF, hein, mais de BDF, point d'exclamation en bas, hein, que donc, la formule est donnée ici. Et voilà. Donc vous voyez que ce sont deux manières de fonctorialiser qui vont tout aussi bien parce qu'ils permettent pas seulement de construire des applications, mais aussi de retrouver les applications de départ. Ça, c'est très important pour avoir une dualité, parce que je veux pouvoir à la fois retrouver les structures de départ, mais aussi retrouver les applications entre ces structures. Et donc, ces deux résultats nous montrent que c'est possible de le faire dans les deux cas. Mais maintenant, bien sûr, on veut les retrouver de façon intrinsèque, parce que ici, je vous dis qu'il faut prendre les idéaux principaux. D'accord? Mais ça, c'est pas une description intrinsèque. Donc, il faut essayer, pour cela, de caractériser intrinsèquement les idéaux principaux. Et c'est là que les notions de compacité généralisée, que j'ai mentionné tout à l'heure, jouent le rôle central. Donc, on va en parler. Donc, juste pour faire le point, le cadre général, ici, donc, je donne la description juste pour des équivalences covariantes avec des catégories de repères, comme c'est le cas par exemple de la dualité des sons, juste pour simpliciter, mais les autres cas c'est tout à fait analogue. Donc, dans une situation comme ça, imaginez d'avoir une catégorie de structures préordonnées, chacune est équipée avec une topologie de topologie, de façon que chaque flèche dans cette catégorie K donne lieu à un morphisme de site. Alors, on a, disons, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a automatiquement un fondeur qui va de K vers la catégorie des repères. Et ce fondeur, si les topologies sont sous-canoniques, effectivement, permet de plonger K dans la catégorie des repères. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le problème c'est d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de retrouver les structures et aussi les applications entre elles à partir des repères correspondants. Et donc, ce qu'on cherche, c'est une description explicite en intrinsèque en termes de repères, ou c'est la même chose en termes de topos, des fondeurs représentables ou bien des idéaux principaux. Hein, c'est la même chose. Donc on cherche ça. Et alors, le résultat
Central a suo propos, c'est celui qui dit que si nos topologies de Grothendieck sur les structures sont, disons, uniformément décrites à travers un invariant C, hein, donc ça c'est la notion de topologie C induite que je vais présenter dans ce parent prochain, alors on peut caractériser intrinsèquement les idéaux principaux parmi tous les idéaux comme ceux qui satisfont une propriété de compacité relativement à cet invariant C qui est utilisé pour définir cette topologie de Grothendieck. Et de cette façon-là, on arrivera effectivement à obtenir une dualité parce qu'on pourra retourner vers notre catégorie K. Ok, donc ici c'est la définition, c'est un peu technique, hein, mais pas très difficile en vérité. La définition de topologie c'est induite. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste une propriété invariante de famille d'éléments d'entrée. Hein, donc par exemple ça pourrait être la propriété d'être fini, d'être un singleton, d'avoir cardinalité au plus K, d'être formé par des éléments qui sont au-delà de disjoints, d'être dirigé, etc. Hein, vous voyez, ce sont des propriétés très simples qui bien évidemment sont en bas, hein, par isomorphisme de Leclerc. Alors, étant donné une telle propriété, on peut donner une définition de topologie C induite. Qui est décrite là. Bon, ça peut sembler un peu technique, mais en fait, c'est pas très difficile de travailler avec dans la pratique. Et en fait, dans le papier, ce que j'ai montré, c'est que toutes ces topologies de Grothendieck que j'avais introduites au début de l'exposé d'aujourd'hui sont en fait c'est induites pour ces invariants c'est que je viens de mentionner. Hein, c'est-à-dire que la topologie triviale et C induite ou c'est la topologie invariante voilà, triviale. Non, alors là, attendez. Triviale, c'est. Ah oui, exactement. Oui, c'est tout lui et singleton. Voilà. Après, cohérence correspond à fini. Canonical, ça correspond à chaque famille. Disjunctive, ça. Ah oui, ici il manque. Oui, il faudrait. Excusez-moi, il faut juste inverser les deux derniers. Donc, disjunctive, ça correspond à que C soit la variante qui dit que la famille doit être composée par des éléments au-delà de 10 choix. Et cas courant, ça correspond à demander que la famille soit de cardinalité au plus K. Donc, en tout cas, vous voyez que c'est rien de surprenant, c'est juste, disons, le fait de réaliser que c'est possible de. Disons que quand on a une description, comment dire, suffisamment naturelle de la topologie de Grothendieck, hein, et cette notion de naturalité est en fait formalisée par cette définition technique. Hein. Donc, naturalité, ça veut dire qu'il y a un invariant topostéorique derrière, en fait, qui permet de donner une description uniforme de cette topologie. Alors, si c'est le cas, hein, comme en fait on pouvait s'attendre à ça, hein, en voyant les descriptions aussi naturelles de topologie que j'avais données, alors dans ce cas-là, on a que qu'on peut effectivement disons, construire une dualité. Pourquoi? Parce qu'on a un résultat clé qui dit que sous une hypothèse très naturelle sur C, hein, on demande que chaque fois qu'on a disons que une famille d'idéaux principaux admet un raffinement qui satisfait C, alors il est possible de trouver un raffinement qui satisfait C qui est fait lui-même par des idéaux, qui est composé lui-même par des idéaux principaux. Hein, donc ça c'est une hypothèse supplémentaire qu'il faut mettre sur l'invariant C, mais qui est satisfait dans beaucoup de cas. Alors dans ce cas-là, on a à l'envers, un quasi invers catégorique du fondeur A qu'on a défini au départ. Et donc, ça s'applique en particulier à tous les sites qu'on a considérés. Et donc, cette notion de compacité relative à cet invariant C
c'est une définition, vous voyez, très naturelle. Donc on dit qu'un élément est C-compact, un élément d'un tri est C-compact, si chaque recouvrement de cet élément dans le tri a un refilement qui satisfait C. Donc vous voyez que si vous prenez C donné par famille finie, hein, on se retrouve dans le cas de Stone, hein, parce que le cas de Stone, c'est la compacité classique. Hein. Dans le cas, par exemple, de la topologie triviale, comme on l'a dit, il faut prendre C être un singleton. Hein. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tout recouvrement est trivial. Voilà, donc ça c'est un théorème central. Et après, on peut aussi compléter le résultat en donnant une description concrète et explicite des treillis qui sont dans l'image essentielle du fondeur A. Donc on arrive à donner, on a une vraie dualité parce qu'on peut caractériser à la fois les objets et les flèches de cette catégorie. Alors là encore, bien sûr, l'énoncé peut sembler un peu compliqué. Alors dans beaucoup de cas, ça se simplifie, hein, mais il est nécessaire de mettre toutes ces propriétés pour que ça marche en complète généralité. Hein. Mais après, disons, déduire les, comme on verra dans les prochaines séances, déduire de ça les dualités concrètes n'est pas difficile. Donc ici, je remarque une chose, que vous voyez, quand on considère les flèches qu'il faut prendre, il y a ces restrictions-là qu'il faut mettre. Hein. Disons, il faudra considérer les homomorphismes de Réfer qui envoient les éléments C-compacts dans des éléments C-compacts. Parce que, pourquoi? Parce qu'on veut que ça soit induit par des morphismes de sites. Si ce n'était pas le cas, et par exemple, si on s'autorise l'utilisation de choses plus générales que les morphismes de sites, comme les profondeurs, alors cette condition-là disparaît. Hein? Mais en revanche, si on ne veut pas considérer les profondeurs, là, alors il faut mettre cette condition-là. Parce qu'en fait, la manière que j'ai de retrouver la structure de départ à partir du repère du topos correspondant, c'est effectivement à travers cette notion de compacité. Et donc, ça apparaît hein, là, dans la description de cette catégorie. Ok, donc je pense que mon temps est terminé pour aujourd'hui, donc on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as essayé de classifier les notions de C invariants? Classifier. Est-ce qu'il y a une façon, disons, de comprendre comment on peut. Ben en fait, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, il faut voir si cette condition-là est satisfaite. Ça, c'est la chose la plus générale possible que j'ai trouvée. Hein. Donc, je n'ai pas mieux que ça. C'est-à-dire, en fait, essentiellement, on veut que l'invariance C nous dise comment définir la topologie de Grandet. Donc, en fait, c'est cette partie-là. Donc, disons, la condition clé, c'est ça. Et ça, c'est juste la prémisse. Donc, la condition C, clé, c'est ça. C'est que, on veut pouvoir déterminer quand une famille A d'éléments dans C, disons, quand il est possible de construire un J récupérant S, tel que ces éléments A engendrent S. Donc ça c'est la condition et vous voyez là c'est si et seulement si l'image de la famille A par I a un refinement qui satisfait C qui est fait par des éléments principaux. Donc en fait c'est ça qu'il faut vérifier. Hein. Donc, alors selon les cas ça peut être plus ou moins difficile. Hein. Il n'y a pas une procédure automatique, je dirais. Disons, tout le reste est automatique. Donc ça, c'est la partie non automatique, hein, si vous voulez. Donc, il faut voir pour chaque topologie comment ça marche. Et voilà. En tout cas, disons, j'ai mis des conditions qui, essentiellement, sont nécessaires. Alors, il est difficile de dire, de démontrer formellement que ce sont des conditions nécessaires, mais je peux... disons, je peux dire que quand même j'ai fait l'effort
de mettre les conditions minimales, disons. En tout cas, disons, je suis arrivée à démontrer que toute cette topologie de Gortendieck définie de façon très naturelle satisfaisait ça. Et bon, pour moi, c'est une indication que ça allait. Disons, je n'ai pas trouvé des topologies qui ont une description très naturelle et qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Mais effectivement, ça vaut la peine d'y réfléchir aussi. Disons que si ça ne marche pas dans ce cadre-là, ça veut dire que peut-être ce n'est pas naturel de vouloir retrouver la structure à partir du topos. Il y a des cas où c'est naturel de vouloir le faire. Dans d'autres cas, ce n'est pas naturel et donc on peut vouloir rester dans le topos sans sortir du pont. Ça dépend un peu des situations. Donc, en tout cas, j'ai fait un effort de généralité maximale, comme je fais toujours. Donc, bon. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible d'améliorer, hein. Ça serait génial si on pouvait encore améliorer, mais personnellement, je suis assez satisfaite. Hein. Autre question? On va remercier Olivier.